Saint-François, il y a deux raisons très simples. La première, déjà, c'est que c'est un village magnifique. Je ne suis jamais venu ici, j'ai découvert les forts aujourd'hui. Donc, j'étais excité comme un gamin de faire cette découverte extraordinaire. Et puis la deuxième raison, c'est une raison plus sentimentale, puisque mon père a travaillé à Modane, pas loin d'ici. Ma sœur y a vécu un an et moi je suis arrivé plus tard, donc je suis né à Chambéry. Mais voilà, c'est pour ça que j'avais envie de venir ici à Aussois, chez vous, faire ce concert ce soir. C'est un élan vraiment de communion que j'avais envie de donner à cet été, qui est un été évidemment particulier après le confinement qu'on a vécu. Ce lien fort qui s'est créé pendant le confinement, moi j'ai joué tous les jours parce que j'en avais besoin pendant le confinement, et puis vraiment pour partager ces moments difficiles qu'on a tous vécu. Et donc cet été, c'est un moment, ouais, pour moi presque hors du temps, très particulier, nouveau, et vraiment pour recréer ce lien et ce partage ensemble. Vous voulez dire que je respire très fort, c'est ça? Non, la respiration est extrêmement importante pour, ne serait-ce que dans la vie. C'est vrai que parfois on oublie, on n'a pas conscience qu'on respire, parce que ça devient quelque chose d'automatique. On respire pour prendre de l'air, mais c'est vrai que le fait d'inspirer et d'expirer, c'est extrêmement important, et en musique encore plus, parce que comme un chanteur, on a besoin, avant de faire une phrase musicale, avant de commencer un thème, on a besoin de respirer pour ensuite le chanter. Donc oui, la respiration est extrêmement importante, et il faut en avoir conscience. C'est vrai que la visite des forts aujourd'hui m'a évidemment donné des idées, comme vous pouvez l'imaginer. Et oui, jouer dans des endroits insolites. Moi, la nature, de toute façon, et particulièrement la montagne, bien sûr, c'est un sentiment très fort, je me sens bien, toute mon enfance. Et puis c'est le contact avec la terre, c'est quelque chose de très puissant. Et la musique et la nature, voilà, c'est l'inspiration, c'est une inspiration commune. Donc oui, j'ai envie de continuer, bien sûr, de jouer dans des endroits insolites, et notamment dans la nature. Cette tournée d'été, je dois vous dire que je n'écoute pas beaucoup de musique, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit régler pendant la route, tout ça. Donc on parle, on en profite pour faire plein de choses. J'écoute de la musique quand je vais faire mon jogging. Alors quand je suis dans la nature, j'écoute tout simplement le silence de la nature, ou la musique de la nature, que ce soit le vent dans les arbres, les oiseaux, le matin quand je me lève à l'aube et que je vais courir au petit matin. Et sinon, type de musique, quand je vais faire mon jogging, j'écoute un peu tout. J'écoute de la pop, j'écoute du rock, voilà, toutes sortes de musique. Et j'écoute aussi beaucoup de jazz, puisque j'adore le jazz depuis tout petit. Alors c'est un violoncelle italien de Matteo Goffriller, ça tombe bien puisqu'on est ici tout proche de l'Italie. Donc c'est l'école de Venise, et c'est un instrument qui a été, celui-ci a été fait en 1701. Donc voilà un instrument du début du 18e siècle. Un bois qui est très foncé, je ne sais pas si vous arrivez à voir sur l'écran, avec des veines du bois très larges. C'est un instrument qui a un côté un peu sauvage d'ailleurs. Je dis toujours qu'il est un petit peu à l'image de ce qu'il est, mais un instrument qui finalement n'a presque pas de limite de son, et ça fait plus de 20 ans que je le joue, et chaque jour je découvre encore des couleurs différentes, des sonorités différentes. Donc c'est une recherche perpétuelle, c'est absolument magique. Et puis cet instrument n'avait pas encore de nom. On sait que les grands instruments souvent portent le nom d'un soit d'un grand musicien qui l'a joué dans les siècles précédents, ou le nom d'un grand mécène
qu'il a acheté ou qu'il a offert à un instrumentiste. Ce violoncelle ne portait pas de nom et j'ai décidé de le nommer l'ambassadeur parce que je trouve que c'est la musique et ce violoncelle qui sont ambassadeurs finalement de cette paix et de cette musique. Voilà, donc il s'appelle l'ambassadeur.